Et à 19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec le président de la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent. Bonsoir Pierre Berger. Bonsoir Marc-Olivier. Avec le conseiller en communication Jean-Luc Manneau. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Avec le producteur, ancien directeur notamment de l'antenne et des sports de TF1, de Canal+. Bonsoir Xavier Couture. Bonsoir Marco. Et Yves Tréhard nous rejoint à l'instant, donc directeur adjoint de la rédaction du Figaro qui a le sens du timing puisque... À bonsoir. L'énoncé de son nom, il se pose. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Le premier sujet, Manuel Valls, qu'on a déjà du mal à suivre. On vous a raconté la journée de l'hyper-premier ministre qui ne tient pas en place. Manuel Valls, à qui les Français font, selon le dernier baromètre Figaro Magazine, qui sortira demain, quasiment 2,5 fois plus confiance qu'à François Hollande. 46% des Français font confiance à Manuel Valls, 20% font confiance au président. Est-ce que c'est un problème sur les réseaux sociaux? Bonsoir Benoît Galeret. Bonsoir, on se pose des questions en effet, hein, même si Étienne fait le calcul, 2 fois plus populaire que zéro, ça fait zéro, c'est ça. Béatrice prend le pari. D'ici un an, il y a de fortes chances de retrouver le populaire Valls au niveau de Hollande. 6 mois, relance même Géry, arguant qu'un homme qui vise 50 milliards d'économies va forcément froisser du monde. Deb écrit, il a été nommé pour accélérer la politique précédente. Sachant qu'on allait dans le mur, les gens vont vite réaliser qu'on va toujours dans le mur, mais plus vite. Le patron d'Opinionway, Bruno Jambard, estime qu'il est facile d'être populaire quand on a un ministère régalien. On attend désormais Valls sur l'économie. Les gens ont aimé le discours de Valls, alors pourquoi pas lui faire confiance et attendre de voir après tout, même si je ne vois pas en quoi Hollande doit en sortir grandi, tant persiste, c'est la vraie question selon Magui. Hollande va-t-il entraîner Valls dans sa chute ou Valls va-t-il aider Hollande à remonter la côte? Attendons de voir. Vous ne pensez pas que Hollande se tire une balle dans le pied pour 2017, demande Philippe comme beaucoup. Rosselin répond pour finir, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est une des rares décisions cohérentes de sa part. Le choix de Valls est logique. Alors Pierre Berger, selon vous, qui va entraîner l'autre? L'un vers le haut ou l'autre vers le bas? L'un vers le haut, évidemment. Vous pensez? Totalement. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça que ça va se passer. Ça ne peut pas se passer autrement. Valls, n'en déplaise à beaucoup, est très populaire. Mais comme le disait un internaute, il ne s'est pas encore confronté à l'économie, à des choses qui sont plus compliquées peut-être, non? Oui, mais j'en ai connu d'autres qui ne s'étaient pas non plus confrontés à l'économie, à des choses compliquées, ça ne les a pas empêchés de faire une grande carrière. Jean-Luc Manneau n'a pas l'air totalement de votre avis. En tout cas... Non, c'est-à-dire que je ne sais pas le pronostic d'évolution de la courbe de popularité de Manuel Valls, on verra bien. Non, mais c'est son succès à mais ce poste-là. Mais votre question, si j'ai bon souvenir, j'arrive encore à le faire à 45 secondes, c'était, est-ce qu'il y a un problème dans la distorsion de popularité de l'un et de l'autre? Et la question, il y a un internaute le dit justement, c'est de voir comment ça évolue. Est-ce qu'il le tire vers le haut? Est-ce qu'il le tire vers le bas? Personne n'est en situation de le dire. Si, Pierre Berger. Oui, Pierre Berger. Il y a un pronostic sous forme de souhait, de vœux, si j'ai bien compris, plutôt que très assuré. Si. Non, je suis rassuré, Jean-Luc. Non, très assuré. Ah, rassurez-vous, je suis assuré. Rassuré, je ne vous ai jamais vu inquiet. Donc. Rassurez-vous, Jean-Luc, je suis assuré. Non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, s'il y a une distorsion, la distorsion elle est logique, il vient d'arriver, voilà, il n'y a pas de raison que le président en profite immédiatement. Je ne suis pas sûr que le dernier épisode qui concerne le Parti Socialiste va beaucoup l'aider dans les 15 jours qui viennent à avoir une cote qui remonte. Après, oui, s'il y a un succès de la politique, logiquement, de Valls, logiquement, Hollande devrait remonter aussi. Si ce n'était pas le cas, oui, ça posera à un moment un problème parce que c'est au sein de l'exécutif, c'est une distorsion problématique. Ce que je ne comprends pas, c'est que pendant 2 ans, la France entière a réclamé Valls. La droite, comme la gauche, et probablement la droite plus que la gauche. Valls est là, et tout le monde lui tire dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires? Je ne parle pas de vous. Non, mais Yves Tréhard, par exemple, qui se prépare à tirer dessus, ça se sent. Je parle du Vox Populi. Et aussi, je parle des éditorialistes du Figaro, un journal que j'aime et que je lis tous les jours. Merci, Pierre Berger. Il y a 3 solutions. Soit il y a la solution qui vient d'être évoquée, c'est-à-dire que Valls va tirer François Hollande vers le haut. Il y a une solution, mais vous n'avez pas encore évoqué. S'il s'effondre, il emporte. Alors là, pour le coup, François Hollande dans son abîme. Il y a une 3e solution à laquelle vous n'avez pas pensé. C'est l'installation d'une diarchie à la tête de l'État. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui reste ce qu'il est, et puis vous avez un Premier ministre qui, lui, est fort, puissant, réussi. Et comme il a été tellement couvert de lauriers à son arrivée, mais on dirait, mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais c'est grâce à lui. Et on oublie le président de la République. Et le vrai homme fort de la situation, ça devient
Manuel Valls. On a dit ça avec Rocard il y a longtemps. Et le vrai sort de la situation est resté le président de la République, François Mitterrand. Ça se passe rarement comme... Oui, mais sauf que François Hollande, c'est la grande question. Est-il François Mitterrand, Jean-Luc, vous n'allez pas me donner des leçons de mitterrandisme, je suppose. Non, mais je ne compare pas. Là-dessus, on peut assez bien tomber d'accord sur François Mitterrand. Oui, je crois qu'on l'est. Je compare les situations. Je ne compare pas les hommes. C'est une troisième possibilité qui pourrait arriver. Je suis très amusé par la querelle d'injonction autoréalisatrice qui oppose Yves Tréhard et Pierre Berger. Donc, on va considérer que pour Pierre, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, notre ami Manuel Valls va porter l'ensemble de l'exécutif au pinacle. Et pour Yves, je pointe une sorte de délicieuse, comment dirais-je, une gourmandise à l'idée qu'une diarchie puisse s'installer, parce qu'on ne l'a jamais vu dans la Ve République, mais là, on verrait arriver une diarchie. On avait dit qu'on ne verrait jamais de cohabitation non plus. Pour terminer, Yves, je pense qu'entre ce qui s'est passé avec Mitterrand et Rocard à une époque où le septennat créait tout de même entre les deux fonctions de l'exécutif une certaine différence qui n'existe plus. Je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit bien, ce qui se passe, c'est que l'opinion, effectivement, sortant d'un ministère très régalien, Manuel Valls avait plutôt les faveurs de l'opinion. Il se trouve aujourd'hui à Matignon avec, comme toujours dans la Ve République, à exécuter ce qui est décidé à l'Élysée. D'ailleurs, la nouvelle organisation à la fois du parti et de l'Élysée me laisse penser qu'effectivement, il va falloir qu'il exécute. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a une forme qui est exceptionnellement séductrice pour le public et que sur la forme, il a réussi, je pense, à, je dirais, convaincre une partie de l'opinion qu'il est l'homme de la situation. Maintenant, on va le voir à l'épreuve des faits. Non, c'est un petit condensé quand même là. Et malgré tout, les Français, ils jugent sur les faits. Manuel Valls, on l'a dit, a réussi son entrée. Il a réussi, il a fait un discours de politique générale apprécié, il a réussi son entrée. Mais 48 heures plus tard, le président de la République fait une nouvelle faute. Remaniant à tous les étages. Avec l'arrivée de Désir au gouvernement, avec la manière de gérer le Parti Socialiste. C'est une nouvelle faute politique. Et donc, à un moment donné, le talent de Valls ne peut peut-être pas exonérer le président de toutes ces fautes. Qu'est-ce qu'il fallait faire de Désir? Il fallait l'exécuter en place publique. Enfin, c'était cette espèce, non. De curé sur non, ce non, pauvre Alain Désir. Non, mais c'est pas ça ce que je suis en train de dire. La promotion sanction contre Alain Désir. Pardon? Je vous rappelle que je suis parrain d'SOS Racisme, président des parrains d'SOS Racisme et des marraines d'SOS Racisme. Donc j'ai pour Désir, Harlem, une grande affection. Et je n'oublie pas ce qu'a été Harlem quand on a créé SOS Racisme. Il a été absolument admirable. Mais peut-être une grande bienveillance aussi, Pierre Berger, peut-être, non, à l'égard d'Arlène Désir. Après SOS Racisme... C'est SOS secrétariat d'État. Voit ce qu'est la présidence normale, en tous les cas. C'est-à-dire la présidence normale, eh bien, c'est de promouvoir quelqu'un qui a plutôt échoué dans ses fonctions de premier secrétaire du Parti Socialiste, même si précédemment... Peut-être Hollande prend modèle sur Sarkozy. Ah, mais Sarkozy aurait fait la même chose, que ça aurait été un tollé, mais général. Je vous l'accorde. Alors là, François Hollande promeut quelqu'un... Mais comme le disait Cambadélis ce matin sur RTL, on ne peut ne pas réussir quelque part et réussir ailleurs. Au mépris de toutes les règles internes, pas d'avoir réussi, au mépris de toutes les règles du Parti Socialiste, il bombarde quelqu'un président du Parti Socialiste, il va chercher un de ses copains à la Caisse des dépôts, ça c'est normal, mais il bombarde celui qui a échoué au secrétariat général de l'Élysée. À la Caisse des dépôts, mais Sarkozy, en 48 heures, il aurait fait ça. Mais c'est pas ça, Jean-Luc Manot. Le problème pour moi, sur Désir, c'est pas la qualité de l'homme, c'est la méthode qui est utilisée. Des gens qui ont échoué et qui se retrouvent ministres, franchement, la liste gouvernementale est formidablement longue. Elle est peut-être même majoritaire. Donc, c'est pas le problème. Mais là, on est à deux mois de l'élection.
européenne. Le président de la République dit pique-pendre depuis des mois d'Harlem Désir. Il dit il fait pas le boulot, ça marche pas, il est nul. Tout le monde autour de lui. Moi j'ai entendu ça. Mais moi j'écoute pas la presse. Mais franchement, à tout le monde. Vous lisez trop le Figaro. Jean-Luc, heureusement pas. Et donc voilà, il fait ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux Européens: formidable, j'ai une bonne idée pour discuter, pour négocier, pour représenter la France. Je vous envoie le pire d'entre nous. Ça, ce n'est pas raisonnable. Allez, il dit, je vous envoie un député européen qui connaît le dossier par cœur. Et qui est très présent, effectivement, au Parlement. Allez, on suivra, on verra comment il mènera son secrétariat d'État. À suivre, un autre sujet, la carotte plutôt que le bâton. Les profs priaient de ne plus sanctionner les fautes des dictées, mais de valoriser les points positifs. On en débat dans un instant. Wow. Et à 19h31, on refait le monde ce soir avec Pierre Berger, Jean-Luc Manot, Yves Tréhard et Xavier Couture. C'est donc une info RTL, une révolution. Fini les systèmes de notation punitifs pour les dictées. Les profs priaient de ne plus enlever un point par faute, mais de repérer les réussites et encourager l'élève sur certains points positifs de sa copie. Le but, rendre la dictée moins décourageante et sa correction plus pédagogique. Alors carotte plutôt que le bâton, bonne ou mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux, Benoît ? Ils sont plutôt conservateurs, les internautes. Hein. C'est un peu « touche pas à ma note » sur Twitter. Morza trouve cela très 68art, meilleur moyen de détruire l'identité commune. L'orthographe permet d'inculquer des normes contraignantes, dit-il. Supprimons carrément la concordance des temps, propose Tito. Supprimons aussi le subjonctif pour que le français est plus simple à apprendre, ironise Michel. La réforme de la dictée ramenée au permis de conduire, imagine Gary, ça donne « allez, si tu sais mettre le contact, on oublie les priorités ». Petit, j'ai eu des zéro et j'en suis pas mort. Le socialisme, c'est le nivellement par le bas, s'énerve Tango. Et Pistole lui rétorque. Pourtant, les pays avec le meilleur système scolaire n'ont pas de notes. Coïncidence ? Oui, pas de notes du tout, ce serait encore mieux, nous explique le blog École de Demain. Les réactions des professeurs qui ont testé cette application, la note positive, montrent que le système de référence ancien est difficile à ébranler, écrivent-ils. Dans le cadre du socle commun, il serait plus pertinent et utile que la compétence orthographique soit déclinée en niveaux de maîtrise successifs qui permettent de se situer par un descriptif. Oulala, je vais y arriver. Descriptif plus explicite et plus complexe qu'une simple note. Xavier Couture, ce système de notation un peu à l'américaine, hein, où on valorise l'élève. Alors, plutôt qu'on le... Je ne voudrais pas qu'on l'on cache derrière un système de notation soi-disant novateur, une lente destruction de ce qui fait le patrimoine commun sur lequel on fonde une relation et qui permet le vivre ensemble. Moi, je crois fondamental que dans un pays qui progressivement accepte l'idée qu'il n'y ait plus une langue commune pratiquée par l'ensemble de ses citoyens, on débouche rapidement sur ce que d'autres pays qui valorisent effectivement la capacité communautariste à exercer des langues différentes dans un pays qui n'a pas la même culture que la nôtre, sur la violence. C'est pas l'objet. C'est pas que ce soit pas l'objet. Je dis juste que c'est progressivement l'acceptation implicite d'une désorganisation des apprentissages. Je veux simplement dire, et j'en terminerai avec ça, que l'orthographe est la mère de la grammaire est la mère de la langue, et que sans langue, on débouche sur des pays de violence, des pays où l'affrontement entre les individus devient terrible. Je pense que si l'on pouvait considérer que l'apprentissage de l'orthographe est nécessaire, est-ce qu'il faut mettre des notes plus, des notes moins, je n'en sais rien, je sens que dans cette décision, il y a de manière implicite l'abandon de la rigueur de l'apprentissage du français. C'est pas comme ça que ça nous est vendu. Hein. Oh, c'est pour, au contraire, apprendre l'orthographe de façon plus valorisante. Oui, bien sûr, on peut toujours se cacher derrière ton petit doigt pour dissimuler les turpitudes. Si j'ai bien compris, si l'élève il savait tromper, on va quand même essayer de ne pas être trop méchant avec lui. Bon, très bien. Ce qui me gêne, moi, c'est que j'ai pas l'impression que c'est une méthode pédagogique globale, parce que on fait comment pour les maths ? Non, ça rentre dans, dans quelque chose de global, au contraire. Mais oui, mais on fait comment pour le calcul ? On valorise comment ? On lui dit, t'as fait 2 fois 3, si le type il dit 12, on va lui dire, bon, t'es pas trop loin, ça va, encouragement. Si t'es à 42, là, tu déconnes quand même, il y a une grosse différence. Donc, tout ça est pas très, je trouve que c'est honnêtement pas très raisonnable, comme c'est expliqué aujourd'hui. Maintenant, en revanche, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut un système qui évite que les notes soient punitives. Et qu'effectivement, il y ait la possibilité de ne pas humilier l'élève dans son échec et l'enfoncer dans l'échec. Là, il y a une réflexion à faire. Mais je ne crois pas que ce soit donner des points en plus quand il n'y a pas trop de fautes qui arrange le truc. Mais comment on fait pour donner des notes valorisantes si on ne donne pas de notes punitives ? Je ne comprends pas. Non, mais je suis d'accord pour des notes punitives, mais que la notation ne soit pas que punitive. Ah, je suis d'accord. Ce matin, Pierre, on entendait sur RTL des élèves qui avaient moins 7 sur 20 en dictée, et ça les décourageait totalement. Mais évidemment, mais moi, je ne sais pas s'il faut des notes punitives ou s'il n'en faut pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut être intransigeant sur l'orthographe.
que ce n'est pas possible, que j'entends que des élèves entrent en sixième et qu'ils ne maîtrisent pas l'orthographe. Attendez, moi quand je suis entré en sixième, je maîtrisais tout ça, plus que parfait du subjonctif, et c'est impossible aujourd'hui. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Xavier Couture tout à l'heure. Après, comment on fait? Je sais pas. Peut-être comme ça, non? Ça vous inspire pas, comme ça? Parce que non, je crois pas. Parce que ça marchait pas de l'autre façon. Est-ce qu'on a vraiment fait ça d'une autre façon? Je ne comprends pas. Et puis surtout, je comprends pas ce changement pédagogique à tout bout de champ, à tout bout de ministre. Je comprends pas. C'est la loi sur la refondation de l'école. Oui, c'est bien malheureux. Moi, je suggère qu'on supprime tout, c'est-à-dire qu'on supprime l'apprentissage du calcul, de la lecture. Oui, Xavier Couture a amplement raison. Mais c'est pas l'objet, c'est pas l'objet de cette réforme. Oui, mais justement, l'objet est nul de la réforme. Il est absolument nul parce que c'est évidemment pas comme ça qu'on va tirer les élèves vers le haut et qu'on va leur apprendre à écrire. Si on tolère jusque à la fin de leurs études, et encore, je pense pas que... Mais si, parce qu'ils vont en faire jusqu'au bout, pour le coup. Alors là, pour le coup... Non, mais vous savez que ça marche dans certains pays, ça s'appelle la pédagogie blanche, et ça marche dans certains pays, c'est pas du laxisme. On s'est pris les pieds dans le tapis de toutes ces méthodes pédagogistes, et que toutes ces méthodes pédagogistes ont mis par terre notre école. Moralité, on arrive avec un système binaire, des enfants qui sont dans des bons lycées avec des parents qui sont des parents d'un certain niveau qui peuvent les accompagner dans leurs études et qui, eux, apprendront normalement l'orthographe, le calcul et tout ce qu'il faut savoir pour être un honnête homme. Je ne sais pas si on peut encore le dire comme ça. Et puis les autres qui n'ont pas ces chances-là et qui seront en rupture d'égalité devant le savoir, d'ailleurs, et qui vont passer d'échec en échec. Et ça, c'est dramatique qu'on ne puisse pas le comprendre. Moi, j'avais compris que quand on est entré à l'école, eh bien, il y avait une égalité devant la connaissance. Et que cette égalité, après, évidemment... C'est un sujet gravissime soulève. L'égalitarisme qui consiste à vouloir proposer des méthodes pédagogiques qui évitent, et je le comprends à la motivation, qui évitent à ceux qui n'y arrivent pas de se trouver humiliés, qui se trouvaient en arrière. C'est un système mortifère parce qu'effectivement, c'est un nivellement par le bas. Je vous assure, gardons à l'esprit l'école de Jules Ferry et gardons l'égalité des chances. Il vient de le dire, on va passer des générations entière en déséquilibre où seuls les parents seront, donc seuls les plus riches, seuls les plus aisés seront la garantie de pouvoir s'en sortir dans l'existence. Ce sont des décisions injustes au plan social. Allez, à suivre, Alain Finkielkraut, immortel, un néo-réac sous la coupole pour certains. On en débat dans un instant. 19h40 sur RTL, on refait le monde avec Xavier Couture, Yves Tréhard, Jean-Luc Manot et Pierre Berger. 16 voix pour, 8 voix contre. Alain Finkielkraut élu aujourd'hui à l'Académie française. Malgré donc la polémique, ses détracteurs dénoncent une personnalité clivante, réactionnaire. Et pour vous, Finkielkraut mérite-t-il d'être immortel sur les réseaux sociaux? Ah, c'est tendu, hein, tendu comme une interview d'Alain Finkielkraut lui-même. L'UMP Guillaume Larrivé dit bravo à Alain Finkielkraut, son intelligence fait honneur à la France et à l'Académie. Alors que Romain Brocard, l'Académie, cet hospice pour réacs sénile à la pensée moisie, temple de l'incontinence urinaire et littéraire, Finkielkraut y sera parfait. Voilà. Jérôme se désole. Les braves gens jugent un type qui a écrit une quarantaine de livres après l'avoir vaguement entendu 5 minutes à la télé. Oui, lui répond Sam, il suffit d'une déclaration nauséabonde pour disqualifier quelqu'un et cela est heureux. Disons que c'est sûrement le côté récidive de propos peu glorieux à la télé qui pose souci, estime Mathieu. L'Académie accueille un grand défenseur de la langue devenu le barde aveuglé de la grande peur française, tweet Claude Askolovitch. Polémique vaine, répondent d'autres comme Judith Weintraub du Figaro. La bêtise a perdu une bataille, dit-elle. Alain Finkielkraut est élu à l'Académie française. Nimp relativise pour conclure. L'Académie française, je rappelle, cet endroit qui a accueilli Giscard, Darcos et Finkielkraut, mais pas Proust, Molière, Kundera, ni Le Clésio. Pierre Berger, Finkielkraut à l'Académie? Bien sûr. Ou en tout cas, s'il n'a pas sa place parce qu'il est un réac, il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être à l'Académie. Comme qui? Je ne veux pas citer de nom, mais il n'y a quand même que des réacs, franchement. Alors, ce n'est pas l'Académie qui va se poser, qui va accueillir les gens libéraux. Certains disent le FN qui entre à l'Académie... Mais c'est pas vrai tout ça. Je n'ai pas un goût particulier pour Finkielkraut, c'est pas la question. Mais c'est pas le FN. Les gens aiment bien des histoires comme ça, rapides. On met des étiquettes sur celui-ci ou sur celui-là. Mais où Finkielkraut, on considère, est un vrai penseur et un vrai écrivain, et sa place est à l'Académie. C'est le sujet, et c'est pas autre chose. Cette polémique, comme d'autres polémiques qui ont pu avoir lieu avant...
c'est un plébiscite pour l'Académie française, en fait. Ça veut dire qu'une élection à l'Académie française... veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Et que c'est important. C'est bien et pour que ça, je m'y suis présenté. On s'indigne, on s'indigne quand on estime que le lauréat n'a pas les mérites suffisants pour y entrer. Alors que moi, je croyais que l'Académie française, on s'en foutait, que c'était un peu comme l'orthographe. non, c'est pas vrai. Finalement, l'Académie française, c'est une institution qui veut encore dire beaucoup de choses. Non, mais par exemple, quand Geoffrin dit « ils sont les intellos d'une droite nouvelle que le 11 septembre, la dissémination terroriste, la montée de l'islamisme et la faiblesse culturelle de la gauche coalisent peu à peu ». Je ne sais pas s'il peut dire ça à Michel Serre. Je pense que Michel Serre serait ravi d'être considéré comme un vieux réac. Et je pense que de ce point de vue, il aurait... je pense qu'on pourrait en parler à François Weyrguens, qui, de mémoire, n'est pas un réactionnaire de la première heure. Donc, c'est grotesque, si vous voulez. Si on a envie d'aller à l'Académie française, et Pierre Berger a exprimé ce souhait il y a quelques temps, eh ben on candidate, comme on dit, ce mot ridicule. Et puis, si on n'a pas envie, on n'y va pas. Ce qui est sain, quand même, c'est que ça permet des débats. Et qu'à l'intérieur de l'Académie, eh bien, entre eux, là, c'est pas l'Académie des Neufs, ils votent pas comme ça, là. Ils disent, lui, on le mérite ou il nous mérite, et lui, non. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Je ne peux pas laisser passer ça parce qu'à l'Académie des Neufs, on ne votait pas. Hein. C'était l'école des fans. Et donc là, c'est très important. Il faut avoir quelques références à l'Académie des Neufs. J'ai pas les bonnes. Vous vouliez rajouter quelque chose, Pierre, avant C'était pas le même Foucault. Non, je ne veux pas rajouter quelque chose. Je veux rajouter déjà ce que j'ai dit. Vous savez, une académie qui avait élu Abel Bonnard, qui avait élu le maréchal Pétain, qui avait. On peut continuer comme ça. Paul Morand. Qui avait élu Paul Morand. Et récemment d'autres, on peut continuer. Mais en effet, je suis d'accord avec vous. On peut dire. Weyrguens, qui était un ami que j'aime beaucoup, on ne va pas dire que c'est un réac. Pierre, on peut quand même dire que vous Paul Morand avait un autre style littéraire que le maréchal Pétain, si je peux me permettre. Non, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Mais ça, c'est pour les goûts et les couleurs, ça se discute. Alors, ça se discute, oui. Ceci posé, moi, sur Finkielkraut, je pense que l'Académie est prise en otage de règlements de compte qui n'ont rien à voir avec l'Académie et que Finkielkraut, il mérite tout à fait sa place à mes yeux. Alors évidemment, les inspirateurs de Finkielkraut, ils sont assez divers. Entre le travail qu'il a fait sur Lévinas et les inspirations chez Hannah Arendt, jusqu'à des propos de position sur les méfaits du tout culturel. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui, chez Finkielkraut, clivent, rendent effectivement le bonhomme probablement assez désagréable ou en tout cas insupportable pour un certain nombre d'intellectuels. Moi, je considère que pour avoir lu un tout petit peu Finkielkraut, en particulier La défaite de la pensée, ce type a d'une part un style extraordinaire, d'autre part une pensée structurée et une pensée qui mérite, à mon avis, plus que d'autres, de rentrer à l'Académie, dont je rappelle tout de même, pour citer les glorieux anciens qui n'y sont pas entrés, que Balzac n'en faisait pas partie. Et puis moi, je voudrais ajouter que si on ne devait pas élire des réacs à l'Académie, on n'aurait pas élu, ils se revendiquent comme réacs, quelqu'un comme Marc Fumaroli, qui est un des plus beaux esprits de notre temps, et que moi, j'aime beaucoup. Et pourtant, il n'est pas de gauche. Bravo, Pierre. Non, mais moi, je crois que d'abord, on peut pas... On peut discuter à l'infini pour savoir si, au sens étymologique du terme, au moins... Finkielkraut est un réactionnaire, ça peut se discuter. Dire que c'est un fasciste, c'est une ignominie. Mmh. Le parcours de cet homme, ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait dans sa vie, là d'où il vient, témoigne contre cette accusation ignominieuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il a des positions qui peuvent être des positions tranchées. Tant mieux dans le débat, tant mieux que l'Académie. Alors, tous ceux qui disent l'Académie, ça sert à rien, c'est un endroit où tout le monde pense pareil. Mais enfin, l'Académie, c'est pas une prime qui est donnée à la production d'eau tiède. Ou alors, c'est un endroit, effectivement, qui va devenir un endroit sinistre. Donc, formidable qu'il y ait des avis, qu'il y ait des gens qui s'affrontent là. Et je trouve qu'en termes de qualité, tout à l'heure, il vient d'être cité un certain nombre d'ouvrages. Pour ma part, je pense que, ne serait-ce que le travail de Finkielkraut sur Lévinas, mérite d'entrer à l'Académie française. Allez, à suivre, dernier sujet. Alain Longuet, consterné par la façon dont les médias ont commémoré les 20 ans du génocide rwandais, en donnant trop la parole à ceux qui accusent la France. On en débat dans un instant. Et à 19h49, dernier sujet, le sénateur UMP Alain Longuet est en colère. Les médias ont donné trop de place à ceux qui critiquent la France à l'occasion de la commémoration des massacres du Rwanda. Alors, avons-nous trop battu notre coupe ou au contraire, pensez-vous qu'il y avait encore beaucoup de choses à nous reprocher? Alors, pour en débattre, évidemment, Pierre Berger, Jean-Luc Manot, Yves Traire, Xavier Couture et puis avec nous, Pierre Péan également. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir. L'auteur en 2005 de Noir Fureur, Blanc Menteur, Rwanda 1990-1994, un livre qui avait fait polémique, hein, puisque vous avez eu un procès pour incitation à la haine raciale, accusation rejetée par la Cour de cassation en novembre 2011. Donc vous connaissez bien le sujet, même si vos thèses ont été très contestées. Mais donc, on débat sur la position de Longuet qui trouve qu'on a vraiment trop battu notre coupe. C'est votre opinion aussi, Yves Tréhard ? Écoutez, le débat et la parole est libre hein, dans notre pays, donc on ne va pas, à chaque fois qu'il y a une commémoration dans notre pays, de manière que ce soit sur le Rwanda, mais beaucoup plus loin que ça. Vous pouvez reprendre la guerre de 14 même, l'Algérie, alors là l'Algérie, on est encore en plein dedans, et on trouverait aussi sur la guerre de 40 beaucoup de polémiques qui naîtraient. Moi ce que je voudrais dire personnellement, parce que je suis un amoureux de l'Afrique et je prétends la connaître un petit peu. Vous y avez vécu. J'y ai vécu et d'ailleurs je connais bien le Rwanda, où je suis passé entre deux génocides pour dire la vérité. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au Rwanda, les précédentes tueries n'avaient pas le caractère génocidaire qu'elle a eu en 94, mais elles étaient violentes et au début des années 80 et précédemment. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il faut arrêter de penser que l'armée française a tenu les machettes. Et que l'armée française est complice d'un quelconque génocide. Il y a peut-être eu des erreurs, il y a peut-être eu des négligences commises par l'armée française, mais je refuse qu'on assiste et qu'on mette dans le même sac les Hutus génocidaires, parce que tous n'étaient pas génocidaires aussi, parce qu'on dit toujours Hutu, Tutsi. C'est plus compliqué que ça, un petit peu plus compliqué que ça. Et qu'on nous mette dans le même sac avec l'armée française, en tous les cas, avec les génocidaires. Pierre Berger. Je suis évidemment complètement de l'avis d'Yves Tréhard. Je suis d'autant plus de l'avis d'Yves Tréhard qu'on n'a pas mentionné déjà François Mitterrand. Pourtant, dans ce génocide, dans cette guerre du Rwanda, on lui a adressé beaucoup, beaucoup de reproches. Or, on a prouvé, on a montré, mais peut-être les aveugles ne voudront jamais voir et les sourds ne pas entendre, que c'est vrai. Il y a probablement eu des erreurs, il y a probablement eu des bavures ici ou là, mais elles sont individuelles. Je veux dire, ce ne sont pas des consignes, encore moins des ordres, qui sont venus du haut lieu pour obliger l'armée française à faire ceci ou cela. Il n'y a pas eu de commission d'enquête, il y a une commission d'information, pas commission d'enquête comme en Belgique. Ben, c'est un peu dommage c'est quand même. C'est ce qu'on peut regretter. C'est-à-dire que, pour revenir à là aussi je vais essayer à la question initiale, est-ce que les médias, etc., ont fait trop. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fond, c'est-à-dire je pense que les accusations de Kagame sont inacceptables, enfin elles sont déraisonnables, mais le personnage est déraisonnable. L'idée que les soldats français ont participé, organisé, bientôt on dira suscité le génocide, est évidemment totalement inexacte et injurieux. En revanche, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Bernard Kouchner, qui dit que quand on a un débat entre des thèses qui sont des thèses différentes, quand on a un débat sur la possibilité d'erreur, c'est bien de l'avoir, et que ce pays, la France, a bien du mal à avoir ces débats sur son histoire ancienne et sur son histoire proche, ce serait mieux quand même. Et vous, Pierre Péan, quelle est votre position sur la question ? J'étais d'accord avec les deux premières interventions et un peu moins sur la troisième. Je crois que il y a peut-être eu des baveurs individuelles, il y a peut-être eu des erreurs. La principale erreur, c'est que ça s'est mal terminé, évidemment. Mais je crois que la France n'a pas à rougir de son action. On oublie aussi que c'est la France qui est le seul pays qui a intervenu et dans un mandat du Conseil de sécurité et que l'ONU s'est pas très très bien comportée pendant quelques mois. Et donc si quelqu'un a fait quelque chose, c'est la France. Vous, Pierre Péan, souvent à l'occasion de votre livre, on vous a traité de négationniste. Vous pouvez rappeler dans quel contexte et pourquoi ? C'est sur votre radio. Entre autres, mais pas que. Hein. Non, pas. Le mot négationniste est quand même rarement employé. On prend d'autres termes. Mais il y a eu, dans l'émission de Stéphane Bern, Edoui Plenel qui m'a accusé de négationniste. C'est une accusation terrible et évidemment complètement fausse. Dans les trois livres que j'ai consacrés au Rwanda, deux complètement Rwanda et un à moitié au Rwanda, je dénonce, évidemment, je reconnais le génocide, je le dénonce, même si je dis qu'il n'y a pas eu que le génocide des Tutsis et qu'il y a eu des massacres de masse de Hutus. Mmh. Ça, qui rend
ma thèse un peu insupportable. Mais cette thèse-là, elle est supportée par des rapports de l'ONU, par des rapports tout à fait officiels, mais qu'on généralement ne reconnaît pas, et que la presse est très économe pour raconter les méfaits de Paul Kagame dans son pays et dans les pays voisins, j'entends surtout dans le Kivu, où il porte une très grande responsabilité dans les massacres de Hutus et massacres en général. Xavier Couture. Trois petits mots. La première, c'est que je me souviens, j'ai un souvenir personnel, moi j'étais encore à TF1 à cette époque, je me souviens de Marine Jacquemin qui couvrait ce massacre et qui est revenue à plusieurs reprises absolument, comment dire, déchirée, dévastée par ce qu'elle avait vu. Et qui a sollicité d'ailleurs des entrevues qu'elle a obtenues auprès du président de la République de l'époque, qui était François Mitterrand, et qui a mobilisé François Mitterrand, qui, je crois, a fait à l'époque beaucoup pour que ce massacre, cet affreux génocide puisse cesser. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que la France s'enorgueillerait à ouvrir un tout petit peu ses archives sur ces sujets-là, plutôt que de se laisser insulter par la communauté internationale, voire par les belligérants locaux. Je pense qu'il y a vraiment là un effort à faire, et la France a, et je rejoins Jean-Luc ce que tu disais tout à l'heure, je pense que la France a une vraie pudeur incroyable à l'égard de sa propre mémoire. Elle pourrait tout à fait ouvrir les archives, et comme l'a dit d'ailleurs le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, on trouverait sans doute rien d'autre que des choses valorisantes pour l'armée française. Et enfin, je terminerai pour dire que les colonisateurs de manière générale, on le revit actuellement en République centrafricaine, sont responsables de frontières stupides. Nous avons décolonisé dans des conditions ridicules l'Afrique, et heureusement pour elle, l'Afrique est en train de se reconstruire malgré nous, malgré cette décolonisation ridicule. Oui, mais je voudrais ajouter quelque chose sur les frontières de l'Afrique. Les frontières de l'Afrique, elles datent du congrès de Berlin à la fin du 19e siècle. On est bien d'accord. Ce n'est pas le fait des décolonisations comme on dit. Ça a anticipé les décolonisations, malheureusement. Merci à tous les quatre. Merci à Pierre Berger. Merci à Jean-Luc Manot, à Yves Tréhard et à Xavier Couture. Merci à Pierre Péan d'avoir été en ligne avec nous. Après le flash de 20h, soirée foot avec Christophe Paco. Évidemment, vous ferez la connaissance de Thierry Braillard, le nouveau secrétaire d'État au sport. À 21h, la Ligue Europe, Juventus face à Lyon. Demain, c'est Bernard Poirette aux commandes d'RTL Soir et il reçoit... Ah oui, Herbert Léonard, ça signale. Herbert Léonard. Eh ouais. Je vous retrouve lundi. Bon vendredi et bon week-end.